بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، أبنائي بناتي، أعزائي عزيزاتي، أصدقائي صديقاتي، أعدائي عدواتي، مزلمي مزلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde, mes frères et sœurs en humanité, qui ne sont pas encore musulmans. Vous le serez, inshallah, si et seulement si vous avez un minimum de sincérité. Le bas monde ne vaut pas grand-chose. Vous êtes éprouvés par la décadence, la solitude, la souffrance. Vous errez dans une vie futile qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'âme, et votre âme souffre, et vous vous cherchez, et vous n'arrivez pas à trouver et à goûter au bonheur. Il vous manque un peu de sincérité, une recherche sincère, une volonté de trouver la vérité absolue. C'est qui est la réponse? Est-ce que tout ça a un créateur? Est-ce que toute cette harmonie a un créateur? Il est où la manifestation de ce créateur? Elle est où sa parole? Ils sont où ses prophètes? Il est où son dernier prophète? Qu'Allah vous accorde la guider ses délices, cherchez sincèrement. On continue dans la série Les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a rappelé que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a annoncé à son compagnon Omar ibn al-Khattab qu'il allait mourir assassiné. On a annoncé aussi, je vous ai informé, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a plus d'un millier de miracles et que ça ne peut pas venir par hasard. Le hasard ne peut pas expliquer ça. On va continuer sur cette série. Il y avait un compagnon, le troisième calife en arabe littéral, de l'islam s'appelle Uthman ibn Affan, un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a eu la grande ni'ma, il est unique dans le monde, parce qu'il s'est marié avec deux filles d'un prophète. Il s'est marié avec une première fille du prophète, elle est morte, il s'est marié avec la deuxième. À ce compagnon, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la mort, assassiné. La question c'est toujours, comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a su que Uthman ibn Affan, ce compagnon, ce khalife, ce calife, allait mourir après lui, et comment il a su qu'il allait être assassiné? Toujours les mêmes questions. D'où lui vient cette connaissance? D'où lui vient la connaissance de l'avenir? D'où lui vient la connaissance du monde invisible? Écoutez bien. وأنبأه أنها ستكون في فتنة طلب منه أن يصبر عليها. Donc عثمان بن عفان أمير المؤمنين بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة. Prophète lui a annoncé le martyr. وأنبأه أنها ستكون في فتنة طلب منه أن يصبر عليها. Il lui a informé, il a informé qu'il allait mourir dans un moment de discorde. Dans un moment de fitna, discorde. Et il lui a demandé de patienter, d'endurer devant cette discorde, devant cette épreuve
كده ليكون عطل. وذلك لما جلس أبو موسى الأشعري مع النبي صلى الله عليه وسلم على بئر أريس في بستان من بساتين المدينة. Donc, quand il lui a annoncé ça, c'était au moment où le prophète était avec Abu Musa al-Ash'ari, assis tous les deux près d'un puits qui s'appelle Aris fi Bustani min Basatin al-Madina, dans un jardin de Medina. Yaqulu Abu Musa, donc Abu Musa nous rapporte, فَقُلْتُ إِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ فَجَاءَ إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا. Donc il a dit, si Allah veut le bien pour un tel, il viendra. Il va le ramener. Il va le faire passer par ici. Donc un bonhomme, il y a eu un homme qui est venu faire bouger la porte. Et j'ai dit, qui est-ce? Qui frappe à la porte? Qui touche la porte? Il a répondu, je suis Uthman ibn Affan. Attends un peu. فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته. Donc je suis parti voir le prophète صلى الله عليه وسلم et je l'ai informé que Uthman est en train d'attendre. فقال اذن له, autorise-le. وبشره بالجنه, annonce-lui la bonne nouvelle qui est le paradis. على بلوى تصيبه, il sera, donc annonce-lui le paradis suite à une grande épreuve qui va le toucher, qui va le frapper. فجئته فقلت له ادخل. Donc je lui ai dit entre. وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. Et le prophète صلى الله عليه وسلم il t'a annoncé une bonne nouvelle qui est le paradis suite à une grande épreuve, une épreuve qui va te toucher. Donc ce hadith a été rapporté par dans le Bukhari. وقد استشهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. Donc Uthman a connu le martyr dans une grande fitna. Regardez comment on lui a annoncé sa mort. À chaque fois, il raconte, il donne parfois des détails de la mort. Dans une grande fitna, il a été encerclé pendant des jours et des jours par des gens, par une populace qui avait perdu la raison, qui avait perdu le cœur, qui avait perdu la tête, qui avait perdu la clairvoyance. D'accord? Ils ont fini par le tuer. Donc, il avait vraiment été éprouvé dans un moment vraiment de discorde totale. Comme lui a annoncé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il avait patienté, il avait enduré, il avait refusé qu'une goutte de sang coule à cause de lui. Il avait même libéré des esclaves parce qu'ils ont voulu le tuer pour le défendre, et il avait refusé. Et il a libéré plusieurs esclaves, beaucoup d'esclaves, en leur disant, allez, vous n'êtes plus esclaves. Parce qu'il ne voulait pas du tout qu'un sang coule, un sang des musulmans coule à cause de lui. Et il a été tué dans un moment difficile, vraiment difficile. On a même cassé ses côtes. Il avait plus de 80 ans, subhanallah. Donc, comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a su que Uthman ibn Affan, son compagnon, celui qui s'est marié avec deux de ses filles, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu cette information? Je vous pose la question. Donc, il l'a eu du créateur de l'univers qui connaît le passé, qui connaît le présent, qui connaît le futur, celui qui a créé le temps et l'endroit. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la question, comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il annonce quelque chose, ça se produit tel que ça a été prononcé par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas une fois, on pourra toujours dire, cette fois-ci, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas trois fois, c'est plus d'un millier de fois, il y a eu des miracles étonnants du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on a rappelé que il est venu par le Coran. Il ne pouvait pas l'écrire, il ne pouvait pas le dire, c'était un illettré qui ne pouvait pas lire et qui n'écrivait pas. Il est venu avec le Coran, la parole d'Allah. Et il a annoncé, et il a fait des choses miraculeuses qui nous étonnent jusqu'à aujourd'hui. Nous, on n'est pas étonnés parce qu'on sait qu'il ne parle pas de lui-même, qu'il ne parle pas selon sa passion ou suite à la passion. Il parle par inspiration divine. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné cette science de l'invisible, cette science du futur.
Et donc tout ce qu'il disait, il était véridique. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh.